en a marre de quoi, découvrons ensemble et je vois qu'ils ont besoin d'un encouragement, s'il vous plaît. Nous voyons qu'avec de l'effort et de la persévérance,
hallucinations. Bah, c'est dans la rue que se situe l'action de la pièce de théâtre. Sur la corniche d'Alexandrie, pendant une journée d'été. Et passant, passant, passons donc à l'interdit concept. La part pressée dans la part brisée. Pour passer, se dévoile dans les bras, sans se soucier. Et jusqu'ici, on a la vue de personne.
mauvais moment pour la forme et la plus politique. Jacques propose une solution immédiate pour sauver les enfants de la rue. Jean résoudra bientôt le problème des enfants de la rue. Oui. Puis on était lycée. Mais que Jacques et Jean arrivent à leur fin. Écoute-moi, d'autres Jacques et Jean. Rien ne demande pour redémarrer. Dégoûte de l'alphabétisme et puis un petit métier. Me placer là, à côté du bac à poubelle, à la recherche des mégots. Non, écoute. Stop. C'était pas dans le scénario. Moi, je suis la dramaturge. J'ai pas écrit ça. L'enfant de la rue. C'est fini pour lui. Demandez-lui d'apprendre de travailler. Si on doit demander un poison de préparer le déjeuner. Demandez-lui de me dire de gonfler les maçons, de se droguer. Il est au sonate. Ah, voilà. Un personnage fidèle au texte. Une mère légère de basse classe qui ne lève pas le jour pour ça. Toi, tu te moques de moi? Tu dis que le client est à la toilette? Je n'ai pas de quoi. Je sais que l'envoi des culots à la soirée est grave. Pas comme un gendarme. Vicky, qu'est-ce qu'il y a de fait? Vicky, qu'est-ce qu'il y a de toi contre les bécanes? Ministre, mon patrimoine, mon trésor. Le cœur de Machiavelli. Révolution et contre-révolution en Europe de Karl Marx. Et hop, et puis dans l'école et dans la belle carte de Marquette. Au moins, ça servira à payer la culture du comme c'était. Et quoi? Et quoi, dit Christophe? La politique se fait pour les hommes. Les femmes, pas la façon. De quelle façon tu parles? Mais t'intéresser à la politique vaut mieux que de rester accroché à la fenêtre pour acheter des trucs sans valeur. Rien que pour attaquer ta curiosité et bavarder avec les marchands. Madame! La femme et le cœur battant des révolutions les plus fortes. Ce coup, c'est de la Russie. Tu es pour la Russie bolchevique ou la Russie césarienne? Quel fidèle pourrait être avec le césarisme? Qui oublie le vêtement fétide? La journée internationale de femmes de Pétrograde pour réclamer tout le monde. Parlons février, pour mentionner février 1917 et toutes les données de réforme populaire pour que la Première Guerre mondiale. Ça explique! Chantal, vous passez ta sœur? Oui. Elle est faite d'un communiste. Et surtout qu'elle encourage. Il a pris par une décision politique dans une. Mais. Nous prendre. My Heil Power. Une création unique. Comment t'as eu l'idée? C'est... Sois jolie, serait un européen. Laisse-le se prendre pour moi. Chaque jour, il lui laisse une épaule de bois qu'il a fait pour elle. Et il veut que je les vivante. Alors fais-moi quelque chose genre... El halazone, yom al halazone. Le voilà, il revient. Peuple, écoutez le poète. Écoutez, j'avais peur. Sacré. C'est pas moi, imbécile. C'est Victor Hugo dans son poème, fonction du poète, quatrième strophe. Moi, mon poème s'intitule La scène du mot le jeu. Un jeu de scène. Du jeu sur la scène. Je ne vis que sur scène. Non, ma vie n'est plus qu'un jeu de mots. Sur scène, tu brises le jeu de mots. Il y a cependant trop de jeux dans mes mots. Moi, mais toujours, sur scène, le plus jeu de main. J'aime la scène. J'aime les mots. Je n'aime que de jeux de mots sur scène.
la porte fort. Déformation, elle est donne partout. Le graffiti, c'est je m'exprime. Le violence, c'est je suis poète. Des pubs populaires, c'est de l'art contemporain. Séduction et plaisir pour une nuit, c'est en son arrive. Et beaucoup d'autres choses. Pourtant, ce premier personnage a voulu me dire m'occupe l'esprit. J'avais prévu le comble. Le fait de se permettre des espaces publics pour célébrer ses propres occasions. Se permettre la rue pour recevoir des condoléances ou pour célébrer ses propres mariages. Il faut voir jusqu'où nous traînent ces mariages. Mais le sens de la rue évolue quand on s'occupe de lui. Le vendeur de journaux, il se cultive à cause des intellectuels. Comment terminer ma pièce? Les devins se disputent dans ma tête. Thank you.
Je vais le voir, le personnage. Hier, c'est une actrice qui accueille le public
que la pièce commence. Donc, avant même que la pièce commence, on ne sait pas. Elle est là, elle est en situation de jeu. Donc, on a notre dramaturge qui, on le voit, hein, écrit sa pièce, tant bien que mal. Une esthétique stylisée, efficace, simple. Moi, j'ai beaucoup aimé la fenêtre. C'est très simple, hein. On a un escabeau derrière, et c'est efficace. L'occupation d'espace est assez précise. C'est bien vu. Quand on ne les perd pas, c'est très simple, mettez des pinces, le film est en train de mettre des pinces, mais c'est pas grave si vous les perdez. Ces perruques fonctionnent bien. L'esthétique, on a un travail fort aussi de chorégraphie sur le Zaz. C'est Zaz, la chanteuse Zaz qui fait un tabac. On a un engagement de corps. Vraiment, on a aussi une énergie rythme, et après ça va dans tous les sens, ça va dans le propos. Beaucoup de thématiques. Après, je vous donne la parole, j'en cite quelques-unes. On a la place des enfants dans les rues, on a la place des gens qui crient, des gens qui polluent dans la rue. On a la réflexion sur ce corps formaté, standardisé, imposé par les médias de la femme. Qu'est-ce que c'est bien de te voir sur scène? Bravo! Ah, enfin des corps différents, c'est un bonheur de te voir sur scène et d'affirmer ça. Qu'est-ce que c'est bien des corps multiples de femmes? C'est un bonheur, vraiment. Et imposer vos différences, c'est ça. C'est ce que vous faites, vous imposez votre singularité, votre indépendance d'esprit. Et ça, c'est remarquable. On a la place aussi des artistes. Est-ce qu'ils polluent ou non? Des taggeurs, des politiques aussi. C'est révolutionnaire. Et je ne cite que ces petits taxis. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça pollue? Est-ce que ça pollue pas? Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, vous. Et ces chauffeurs de taxi, parfois ma baladeuse, on voit ça au plateau. Comment les femmes sont harcelées ou non. Beaucoup de thématiques, hein, à aborder. Parfois, elles sont, à mon sens, plus nettes que d'autres. Mais j'ai interrogé Mona, peut-être c'est pour lui aussi qu'on aborde un petit peu. Et qu'on passe à autre chose, que le message soit moins première partie, deuxième partie, troisième partie, ça fait un choix. Hein. C'est un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Il y a des choses à la télévision qui sont beaucoup plus. Et c'est pas négatif, hein, ce dit, qui sont beaucoup plus organisées. Après, il y a la densité, hein, densité de message. Et pour terminer, avant de vous laisser la parole, j'ai beaucoup aimé aussi la structure dramaturgique avec le dramaturge qui ouvre, qui ferme, et on est évidemment dans Pirandello avec les six personnages en tête d'auteur, où les personnages viennent parler à l'auteur en disant non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas ça. Donc c'est un procédé beaucoup utilisé au théâtre. Est-ce que je passe la parole à Mona, ou est-ce que je vous donne la parole pour que vous posiez peut-être vos questions, et j'aimerais bien aussi interroger avant peut-être de donner clés de compréhension, comment vous avez perçu les deux clans qui se repoussent l'un l'autre. Selon vous, qui repousse qui? En tout cas, et je vais terminer là-dessus, le mérite de cette proposition artistique, c'est qu'elle l'ouvre, elle ouvre nos frontières, et elle ouvre vos frontières mentales, vraiment, et vous élargissez vos femmes, et vous autorisez, vous repoussez vos frontières intérieures, et ça, c'est exceptionnel. Bravo à vous. Félicitations, Mona. D'une année à l'autre,
elle nous présente quelque chose de très beau, très réel, et vraiment, ça m'a beaucoup plu, surtout parce que j'ai vu Mona et les amis de Mona sur scène. C'est là, mais ce sont des élèves. Ils sont tous derrière Mona. Et vraiment, c'était très bien. Et surtout l'image de la vie qui pousse les intellectuels, les gens populaires qui sont en train de remplir notre vie de partout et qu'on n'arrive plus à les repousser que les gens, parce qu'ils sont trop forts. Alors, on va passer la parole. Et selon vous, comment vous avez perçu est-ce que c'est positif, négatif, on reviendra sur cette image, hein, qui repousse? Et la parole n'a jamais lieu. Bon, comme d'habitude, vous nous avez dit. D'accord. Cette année, c'est différent. C'est trop proche de notre vie actuelle. J'ai beaucoup aimé votre façon de faire, les images, tout ce que vous avez montré, c'est notre quotidien. On souffle tous de ce que vous venez de faire, exactement. J'ai beaucoup aimé, comme vous avez dit, le fait de pousser l'autre partie du monde que vous ne voulez pas, ou bien c'est l'autre, les bidons qui nous poussent. Alors, j'ai trouvé vraiment, c'est une image fidèle de notre société. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, comme je viens de dire, c'est la sincérité qui émane de l'image de la société fidèle. Alors, vous avez vraiment donné l'image de notre société. Qu'on le veut ou non, mais c'est la vérité. Je vais faire circuler le micro avant de leur donner la parole. Hein. Qui voudrait prendre la parole? Et pour continuer ce que tu disais, c'est ça, la raison d'être du théâtre, c'est aussi de penser sa société. Hein, je redis. Et là, du coup, vous êtes en prise directe avec le réel et vous nous donnez à penser le réel. Yves. Merci beaucoup, Mona, pour ce spectacle un peu plus. J'ai envie de dire grande chose. Grande chose avec des actes précis, les uns que les autres. Avec des actes aussi bons les uns que les autres. La question elle est posée et Mona n'a pas trouvé la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux sociétés, les deux classes sont en pleine mutation, j'ai envie de le dire. La révolution vient d'un sens et d'un autre sens, et nous sommes arrivés à une peu de tension, on ne sait pas d'où va venir la solution. Et c'est là qu'elle a voulu finir parce que ça c'est un peu prétentieux, ça va trouver une solution qui va prouver le dessus. Mais la deuxième, elle n'a pas accepté. Alors là, la première, c'est tout. La première, elle s'est résignée. Elle commence à voir les choses autrement. Et on essaye de la convaincre. Et l'autre, non, parce qu'elle est bloquée dans sa situation, dans sa société. Elle ne veut pas changer. Alors là, c'est le message très, très fort. Que voilà, c'est notre rôle qu'on essaye de tirer les gens de cette basse société vers nous, et c'est le message du théâtre qui voit passer à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez compris exactement ce geste, mais là c'est le message. Il faut faire quelque chose, il faut être efficace, il faut tirer ces gens-là vers nous, les gens civilisés, pour qu'on retourne, comme on vient de dire, à l'Égypte d'autrefois, comme l'écrivaine qui a voulu déjà donner ce message. Mais que les gens le veuillent ou pas, c'est notre rôle. Et on continue à le faire, même si on trouve des oppositions. D'accord.
Je n'ai pas la prétention de modifier quoi que ce soit, là n'est pas mon propos, mais j'ai vu une fixation, j'ai vu un arrêt. Il y a un mouvement de part et d'autre. Et à quel moment ça va se débloquer? Et qui va débloquer? La classe dominante, la classe commune. Et c'est ce qu'on a vu, c'est net, c'est clair. C'est ce que dire qu'on va le jouer 45 000 fois. La question va se toujours se poser autrement. On va toujours se poser autrement parce que tu n'as pas envie de résoudre cette situation-là avec nous, le jugeur. Pas forcément. Voilà. Et il faut que le spectateur parte avec une question à laquelle il va pouvoir répondre. Bien choisi, une belle écriture de la tour, tout est là. Félicitations les filles, on s'est vu plus d'une fois. Je vous ai dit que j'ai confiance en vous, que vous pouvez faire mieux. Je suis très fier. Et moi là, j'ai des photos de moi dans toutes les positions pendant la représentation. Je te les donne après. Avant de faire passer le micro à Herman, pour prolonger ce que disait Yves, un dramaturge français qui s'appelle Didier Lozas dit que le théâtre est l'art de la question. Et ce qui est particulièrement réussi, c'est qu'on ne vous plaque pas une vérité. Vous partez, vous, avec une question, vous seul, dans votre intime, vous trouvez votre propre réponse. On ne vous impose pas, mais on met en mouvement chez vous. C'est l'art de la mise en mouvement de pensée et à vous de trouver votre réponse. Mais on ne vous plaque pas une réponse. Herman. Merci. Moi, je pense que j'ai seulement reconnu deux choses qui sont pour moi très importantes. D'abord, c'est dans l'originalité de la mise en scène, selon laquelle elle décide d'abord de nous montrer le dramaturge qui a sa vision, et donc qui tient dans un premier temps à ce que cette vision soit respectée. Et donc, elle essaie d'imposer ça à ses comédiens, qui eux, à leur tour, décident de prêter leur corps. Mais en même temps aussi, le talent du comédien peut permettre au dramaturge de valider sa vision et puis de trouver un commun qui peut satisfaire le public. Ça, c'est la première leçon que je dirais. Deuxièmement, c'est vraiment impressionnant de travailler avec ce nombre. Oui, de trouver. De travailler avec 21 personnes et de pouvoir créer cette rigueur au niveau de la mise en scène, moi je pense que c'est très impressionnant. Au niveau de l'espace, au niveau chorégraphique, c'était vraiment bien fait. Et je pense que c'est un travail vraiment qui est très impressionnant. Merci vraiment et puis on a été très séduits. Je crois que c'est Rebecca. Bonjour à Félicité, qui est une dizaine. Elle était vraiment à la hauteur. Elle joue très bien sur l'énergie. J'aimerais vraiment vous dire félicitations. Et merci pour ce beau spectacle que vous avez donné. Félicité aussi Mona pour ce qu'elle a fait. Travailler avec 26 personnes, c'est pas facile. Surtout quand on est des filles. On sait ce que ça implique. Si les filles ne donnent pas la lumière, si elles ne veulent pas travailler, c'est pas possible. Et là, on est félicitations. Moi, j'ai vu au-delà de ce que les autres ont dit par rapport au conflit, tout ça. Je vois un peu le travail des écrivains. Nous, les comédiens, parfois, on se contente seulement de prendre la pièce, on la monte, on joue. Mais on oublie tout de suite quand on voit les comédies sur scène, on oublie tout de suite tout le travail qui a été fait au niveau de l'écriture. Pourtant, c'est difficile. Là, elle est confiée dans sa tête. Il faut montrer notre société. De l'autre côté, ce qui était ici en noir, est-ce que vous montrez cette société-là? Est-ce que si elle montre cette société,
ça va permettre au pays de se développer, ça va permettre à les gens de comprendre ce qui a fait avancer le pays. C'est un moment de l'autre société. Qu'est-ce que ça va apporter au pays? Il faut savoir faire le choix. Et souvent, c'est difficile de dramaturge d'écrire, c'est difficile de trouver. Il ne faudrait pas écrire une pièce qui va falloir dire non, mais qu'est-ce qu'elle a pu montrer, on ne comprend pas, c'est pas bien, une pièce qui n'est pas exemplaire. Il faut savoir aussi écrire. Moi, c'est ce que je vois au-delà du fait des sociétés. C'est ce que je vois au-delà. Voilà. Je veux vraiment vous dire encore merci, merci, félicitations à vous. Je ne savais franchement pas que je vais faire. Je ne savais pas l'aider, et lui, étonner, de voir quelqu'un qui vit comme ça. Vraiment, merci beaucoup, merci, merci. Merci au dramatique. C'était bien, vraiment, c'était bien. Est-ce que vous avez toutes les félicitations que vous connaissez. J'aurais voulu revenir sur ce que Louis disait. On peut jouer ce spectacle 45 000 fois, ça sera toujours vu, considéré, analysé autrement. Et j'ai trouvé ça très philosophique parce que ça résume assez le travail de cette troupe de la Mère de Dieu. Qui d'année en année, je suis depuis maintenant 5 ans, de création en création, c'est toujours autrement. C'est toujours autrement, c'est toujours une invitation à réfléchir autrement, à faire les choses autrement. C'est votre originalité, c'est votre créativité, chaque fois vous nous épatez encore un peu plus. Je me permets cette subjectivité. Je vais vous dire, merci de trouver le micro, pas trop longtemps, sinon on va discuter, bien sûr. Ah, bah, parfait, donc mettons à profit ce temps, ces 10 minutes de nécessité technique pour continuer à échanger, pour prolonger ce que disait Rebecca. Oui, n'oublions pas, alors bien sûr on parle d'un dramaturge et la difficulté pour le personnage d'un dramaturge d'avoir un propos sur une société. Et je rappelle que la pièce a été écrite, c'est une écriture collective, bien sûr, après assumée par Mola. Mais donc, du coup, c'est eux-mêmes qui écrivent l'histoire de la dramaturge. Donc, il y a une mise en avis, c'est théâtre dans le théâtre. Donc, c'est d'autant plus, oui, c'est d'autant plus complexe. Hein. C'est. Il y a des prises de risques fortes, des prises de risques avec. Toujours la jubilation, le plaisir, etc. Mais c'est pas bien, il s'attaque à pas facile. Hein. Jubilation. Et Ève prend la parole maintenant. Ok. Vraiment, je tiens à vous remercier. On a vraiment profité du spectacle. Je suis contente, je suis vraiment, vraiment contente. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment, félicitations les filles. J'ai une question, je voulais savoir si elles ont une formation aussi en théâtre, en jeu d'acteur. Pendant la mise. Franchement, bravo. Si ça continue, franchement, le théâtre égyptien sera vraiment très haut. Félicitations les filles. Alors, juste pour continuer, une fois, vous venez dire. Je ne savais pas ce que tu étais capable de faire, Mona, avec les élèves. Moi, j'ai rencontré il y a 3 ans Mona et Maïel, et une fois qu'on les a rencontrés, c'est clair et on comprend pourquoi ce sont eux les capitaines et le phare de ce festival. C'est comme un phare qu'ils impulsent. En fait, on dit qu'un bateau fonctionne. Bien sûr, il y a tout un comité d'organisateurs, hein, mais c'est le comité d'organisateurs et le capitaine du bateau qui donne l'énergie au voyage. Et vous tous, organisateurs, avec à la barre Mona et toute son équipe, c'est vous qui donnez aussi l'exigence artistique, c'est vous qui donnez un peu comme le là. La justesse, la justesse de la créativité. Le micro. Oui, je veux parler ici. Je voudrais remercier Mona. Vraiment, j'attends toujours à voir ton spectacle. Vraiment, c'est excellent. Je
voulais dire qu'il y avait une harmonie merveilleuse entre metteur en scène, entre les festivaliers, et je pense que l'écrivain a très bien, et Simona a très bien présenté le spectacle avec des questions ouvertes pour laisser aussi les spectateurs de poser des questions, de répondre. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Remercie Mona de votre travail. Merci beaucoup du travail. Merci beaucoup pour les festivaliers. Vraiment, ça me faisait du plaisir. Votre travail et aussi les questions que vous m'avez donné, l'espace pour réfléchir et pour trouver des solutions de ce que vous avez montré. Merci beaucoup. Merci Mona. Merci à vous. Madame, quelle solution politique, une charge, quel bonheur, des solutions et une question là. J'ai beaucoup aimé la pièce car elle nous présente une image actuelle de notre société. Merci. Alors, avant de passer peut-être le micro aux filles et à Mona, parce que je crois qu'ils commencent à être prêts d'ailleurs. Bien, alors je vous félicite toutes les comédiennes et bien sûr Madame Mona. C'est vraiment très réel, très touchant. Ça donne une image très réelle de notre société. J'ai beaucoup aimé les visages très expressifs et même le décor qui se déplace à l'intérieur des danses. On n'a pas besoin de fermer le rideau, on n'a pas besoin de diminuer l'éclairage. C'est vraiment très sympa. Et aussi j'ai aimé la partie de mime qui était à la fin, la question qui nous incite à prendre position. Est-ce qu'on va prendre la position des intellectuels qui ont un rôle important dans la société, ou bien on va négliger et prendre d'autres positions? C'était vraiment intéressant. Je vous remercie. Et ce que j'ai aimé également, c'est la disparition des micros. Quel bonheur! Une scène de théâtre sans micro. Quel bonheur! J'ai une question. Est-ce que c'est difficile de la femme joue le rôle d'un homme? Et ce que j'ai apprécié, c'est que ça s'est fait sans caricature. Vraiment, vous incarnez, vous, votre perception de la masculinité, si c'est français, mais alors sans caricature, sans vous gratter partout. Non, non, il y avait du coup une fermeté et une perruque. Ça signifie qu'il y avait juste un côté direct, mais sans caricaturer. Et ça, c'était juste. Vous n'avez pas du coup outrancier. C'est difficile, bien sûr, qu'on doit avoir l'intonation et l'articulation en la voix à bas et faible. Et pas masculine. Alors, on va peut-être prendre du coup, Mona, si tu veux peut-être conclure, parce que je crois qu'ils sont prêts, à moins qu'il y ait encore quelques questions de réaction. Mais la parole est à vous. Tu vas voir si vous faire circuler les micros aux filles ou si tu veux conclure à ta façon. Je vois que c'est plus difficile de faire le rôle de la femme après un homme. C'est plus difficile. Seulement, on va graver notre voix et faire la performance, mais ça serait plus mieux. Je suis féministe. Ouais, je peux confirmer, jouer une femme sans tomber dans des facilités, des caricatures, je suis intéressé, j'ai joué dans un niveau une femme une fois, sans tomber dans des facilités, mais essayer de trouver ça. Une justesse, c'est pas ça. C'est un danger, évidemment, la féminité. Tout d'abord, j'insiste à dire que le travail encore se fait derrière les rideaux. On ne prend pas du temps sur le temps d'une autre pièce et vous entendez. On a demandé encore 10 minutes pour la préparation, on va essayer de nous racheter après. Concernant, alors, je reprends la casquette metteur en scène, concernant la pièce,
Oui, elle écrit. Donc, je peux vous dire que la scène du mariage, elle est complètement écrite par Sarah, la scène, la dramaturge. La scène de la publicité, McDo, elle est écrite par elle. Elle a contribué à l'écriture de la scène de, du poème, le poète qui se croit poète. Donc, la scène du régime, la scène de régime, elle est complètement écrite par elle. Tout à fait. Et pour le reste de la pièce, le déroulement, l'évolution de l'action, c'est tout le groupe. Et chacune a contribué avec une idée, un mot, une réplique, une retouche. Derrière, dans les coulisses, il y a aussi Angèle qui a écrit la pièce avec nous, assistante animatrice. Il y a Roger qui est parmi nous, parmi les coordinateurs, qui est à la mère de Dieu et qui écrit. Donc, question d'écriture, c'est là. Ici, je peux vous dire. D'où est sortie l'idée? En fait, c'est à peu près au mois d'avril l'année dernière, et c'était Sarah qui a voulu parler de toutes les traces de laideur dans notre société actuelle. Donc l'idée était lancée dans le bus transport Le Cœur Alexandrie, et depuis, on ne fait que penser pour créer cette pièce de théâtre. Donc écriture, vraiment, c'est collégial. Après la chorégraphie, elle est faite par elle, donc on s'auto-organise, c'est elle qui a fait la chorégraphie. Faite par elle, la chorégraphie de la danse, ainsi que, j'ose dire, chorégraphie de la dispute. Donc de la fin, c'est elle aussi qui a mis ça en place. Et Farah, elle, ou Farah, la danse. Avec elle, la dispute aussi. La dispute. La chorégraphie de la dispute avec donc, les deux, pour les deux chorégraphies dans la scène. De ma part, oui, je respecte leur avis. Je respecte leur avis, une petite confession. L'avant-veille pour l'ouverture, on avait prévu rideau fermé, dramaturge à l'extérieur. Et puis, en ouvrant les rideaux, je me suis rendu compte qu'on peut mettre des personnages figés derrière. Et qu'on commence la pièce avec le personnage figé et la dramaturge devant. J'ai posé la question, on m'a dit non, on ne veut pas. J'ai dit, bah, attendez, je vais vous montrer la mise en scène une, deux, trois fois, et on a voté. Elles ont toutes voté pour rideau fermé, et j'ai dû renoncer, à mon avis, je n'ai pas assez de droits en tant que metteur en scène, elle gère. Alors, rideau fermé. Voilà, pour répondre à la question, bravo, oui, parce que. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Concernant la question, alors, Vincent, qui est qui? Une discussion très intéressante a eu lieu entre les membres de la troupe et principalement Saïda et moi pour prévoir la fin, comment on veut faire et qu'est-ce qu'on veut dire. Elle avait une vision quasiment pessimiste pour dire non, mais ça ne va pas changer. Et remue ménage pour voir comment ça pourrait changer et qu'est-ce qui change autour de nous. On a pris l'établissement scolaire, on a pris la maison, on a pris le cercle des amis pour voir comment on change, on se transforme. Et il y a deux petites situations qui laissent voir des lieux d'espoir. Et s'il y en a, ça veut dire que ça existe et qu'on peut. Cette vision a été bien transmise par le nombre de personnes dans la vision optimiste et le nombre de personnes dans la vision pessimiste. Et pour ne pas être trop dans le rêve, on n'a pas voulu terminer la pièce en disant c'est l'optimisme qui va gagner et le pessimisme va perdre, parce que ça va être trop film et rêve. Et là, on a montré la force déployée par les gens. Je ne sais pas, petit détail qui a peut-être échappé, qu'on n'a pas pu bien mettre en scène. Tous les personnages étaient au début de la pièce en noir, sauf les deux qui roussaient, qui portaient des habits de personnes et pas de personnages. Après, au fur et à mesure, l'enfant de la rue, quand ça, elle a dit, l'enfant de la rue évolue, l'enfant de la rue a enlevé le noir. Et la fille qui a été tirée de l'autre côté, la politique qui est embêtée, ici, dans ce coin-là, elle a enlevé le noir. Donc là, pour montrer, on se transforme de personnage en personne.
et la lutte reste question ouverte, comme vous l'avez vu, et un appel, un message, où vous voulez vous situer, ici ou là. Ici, on fait ce qu'on veut et on balade n'importe quel principe. Ici, il y a de l'effort, il y a de la fatigue, il y a des risques, rien n'est garanti, mais on répond à des questions de personnes. Je vous remercie pour l'encouragement. Je remercie Eve et Rebecca, vous étiez trop curieux de lire. Et je vous assure, c'était de l'énergie transmise parce que ça va dans les deux sens. Moi, j'étais là, j'ai vu et c'est comme ça que ça donne l'énergie. Mais merci pour l'ensemble du spectateur parce que elles n'auraient pas joué comme ça si vous n'étiez pas vous comme il y a une demi-heure. Alors, je voulais juste ajouter le fait d'insérer l'extrait qui a été dit par Ahmed Zaki, n'est-ce pas? Et qui a complété vraiment l'image, ça a donné un reflet aussi brillant à l'image. Merci. Mais on se permet quand même quelques minutes d'arabe sur la totalité de 30 minutes, parce que, et surtout dans cette pièce, ça relève de l'actualité égyptienne. Merci Yves, parce que tu nous as donné le petit poème 7 mots jeu, donc c'est Yves qui nous l'a donné, je t'en remercie. Merci Vincent pour ce moment très précieux. Cela je dis, c'est bientôt à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour une suite de 7 de pièces directes? Spectateurs, on peut enchaîner? Oh, merci. Donc, on attend le OK pour ouvrir. Merci les filles et merci Matou. Vous m'avez supporté parce que je ne suis pas facile pendant les répétitions. Merci.